Yo les frérots YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Car Parking. Et aujourd'hui on va voir comment faire une speed glitch, d'accord. Alors c'est une voiture qui va super vite. Alors je vais vous faire un exemple, je me mets bien droit dans la route. Voilà, alors regardez le compteur, là on va à 2000, 3000. Alors voilà, c'est des voitures qui pètent des câbles, qui vont ultra vite, et pour les courses c'est super pratique parce que vous gagnez toutes vos courses. Donc alors attendez, je vais arrêter ma bécane là. Voilà, c'est vraiment des super voitures pour gagner les courses et tout et tout. Et aujourd'hui je vais vous apprendre comment en faire. C'est parti. Alors pour faire une speed, on va aller dans le garage, on va prendre une voiture. Alors la voiture que j'ai achetée spécialement pour cette vidéo, c'est alors attendez, non c'est pas dans ça. C'est une Lamborghini. Voilà, c'est celle-là. C'est. Hop. Voilà. Alors, je peux vous montrer qu'elle n'est pas encore speed si vous voulez. J'ai juste mis 1695 HP. Mais elle n'est pas speed. Regardez. Elle va juste extrêmement vite. Mais elle n'est pas speed. Voilà, je vais vous montrer comment la mettre speed. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans le garage, en car upgrade. Et là, alors, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on ouvre GG. On se met en champ de mémoire XA et XS. Ok? Ensuite, on va rechercher les valeurs, on va rechercher les HP. Donc moi c'est 1695. Vous si c'est pas 1695, vous mettez ce qu'il y a. Donc moi 1695. Voilà. Ensuite on met 1515. Je crois. Attends, je vais vérifier si ça marche. Ah mais c'est les NM que j'ai changé là. Putain, attendez, non, les là. Pour les NM, alors là, c'était pas les HP que j'ai changé, c'est les NM. Donc les NM, on les met à 2255. Donc les NM, c'est ce qu'il y a, c'est la torque, c'est ce qui s'est marqué torque. Donc 2255, après les HP. Alors moi, il veut pas mettre 1695, je sais pas pourquoi, donc je vais rechercher 1695. Merde, non. C'est là. Hop. Voilà, donc 1695. Donc là, on met ce que j'ai mis tout à l'heure, c'est-à-dire 1515. Et là, normalement, si on reset, c'est bon. Ensuite, on va faire les nombres qui sont à gauche. Qui sont à droite, pardon. Donc 7300 et 5000. Donc pour les HP, c'est 7300. On fait la recherche et on va mettre 1188. Et pour l'autre, c'est 5000. Alors, j'ai beaucoup de 5000. C'est pas grave. On va mettre 1177. Voilà. Là, on reset. Et normalement, ça devrait être bon, je pense. On swipe un petit coup pour que ça se mette. Hop, on revient à la voiture. Alors là, la voiture, voilà. Elle va être incontrôlable. Si vous voulez savoir comment la mettre contrôlable pour pouvoir la mettre speed, quand vous voulez en game, il faudra aller voir une des vidéos que j'ai fait qui s'appelle « Comment contrôler une speed ». Je vous invite à aller la regarder, c'est très utile. Donc maintenant, vous pouvez constater le résultat. Dès que je vais appuyer sur l'accélérateur, la bagnole, elle va partir en couille. Regardez. Voilà, elle est speed. Alors j'espère que le tuto vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je peux vous donner des UFO, éventuellement, si vous voulez. Contre quelque chose. Voilà. Parce que j'ai plein d'UFO et tout. Donc bon, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez et tout. Et puis, à bientôt. Tchuss.